Ouais, ok, 10 500 € pour toute cette installation, mais ça en vaut la peine. Après, c'est vrai aussi, j'aurais pu le mettre les 10 000 € dans le toit de ma maison. J'aurais probablement pu en mettre même pas le tiers pour réparer mes linteaux. Et je pense que seulement 1 000 € auraient été nécessaires pour rénover cette pièce. Enfin, en tout cas, au niveau de l'isolation. Donc, c'est pas faux, ce sont des choix que j'ai faits. J'ai choisi de mettre mon argent dans cette station solaire. Mais si je l'ai fait, c'est qu'il y a une bonne raison. La première raison, c'est que j'avais pas l'électricité ici. Du coup, je me suis dit, paf, je fais un investissement et j'ai jamais de facture d'électricité à payer pour le futur. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux utiliser plein d'outils gourmands. Donc oui, effectivement, tu te doutes bien que pour faire fonctionner ça, c'est quand même bien d'avoir de l'électricité. Parce que travailler sur des batteries au plomb de récupération, pourquoi pas, hein, ça dépanne, hein, ça fonctionne aussi. Mais t'as quand même beaucoup moins de rendement. C'est aussi plus dangereux et moins sécurisé parce que tu peux te tuer avec ça. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Tu prends l'onduleur là qui est là, rien que celui-ci, il fait du 230 volts. Hein. Donc maintenant que j'ai une belle installation sécurisée, je vais avancer beaucoup plus vite.